cette montagne t'appartient. C'est pour cela que tu arrives sans te presser. Les drapeaux de prière volent au vent et le répètent d'une seule voix. Tu les caresses de la main, le vent s'arrête, il ne bouge plus. La montagne nous contemple sereinement sous les nuages du ciel nocturne. Depuis l'incendie, il n'y a plus d'arbres sur le plateau. Cet homme assis par terre, la tête penchée sur ses genoux, ne souffle mot. Comme toujours, le soleil l'éblouit. Son chien noir se repose tranquillement. Sa fille, partie au ciel, envoie un nuage pour en envelopper tendrement la lourde montagne. Il n'y a pas de vent. 3. Je ne sais pas d'où tu viens. J'aperçois le lac. Tu t'es allongé dans la pente. Tu voudrais te laisser aller à la rêverie, mais tu te lèves. Il te reste beaucoup de chemin à faire. Ton rêve se déploie dans la longue durée. Un millénaire plus tard, l'herbe a reverdi. L'herbe a jauni. Tu ne t'es pas réveillé. Dans ton rêve, il t'est poussé de la barbe. Prise dans l'étreinte du lac, tu te transformes en un véritable garçon. Partout sur la steppe, la vie continue. Sur l'arbre généalogique de ton pays natal, ton nom est devenu étranger. Personne ne s'en souvient. Alors, face au ciel bleu et aux nuages blancs, tu continues à dormir d'un lent sommeil. Cette vieille mère tibétaine mène une fois encore des moutons plus que centenaires. Elle s'est assise là tranquillement. Devant le monastère de Yokang, les deux drapeaux de prière qui tutoient les nuages se sont immobilisés. Au beau milieu des prières, quelques chiens s'en vont dormir d'un sommeil profond. Tu es assise au milieu de l'esplanade. Perdue, tu ne sais plus où tu en es. Le vide s'est fait dans ton cœur. Tu sais seulement que tu es assise là et que les moulins à prière entre tes mains tournent sans fin. Tu ne désires plus rien. Poème écrit par Lucia de mai à décembre 1987, 2 ans avant les événements de la place Tiananmen à Pékin. Thank you.
我们快一点，我们再等十几分钟。 不是，我们一上来担心上来，对你会不会有不好？就是担心，不好的啊！我们尽快，甚至在他们干涉我们之前，我们就走。我们先把这做好，好，听我的，这件事情你看好了。谢谢。哎，你过来，把现状。刘晨，我们进入很多事。 你身体好啊！我管线刚刚好一些。有这条，我们进来了就够了。我们待会儿最好是主动撤。主动走。对，或者我们现在就走，行。我知道，我知道，我知道。你现在完全没有通讯联系方式。 我建议我们现在主动撤。现在，等会儿我们家还快点，一分钟，最多一分钟，快点，我们做了。就谢谢，这次他已经是作用。好，行了行了，我们好了。你放心，现在他不管让你。 4 mars 2017. Chien, permets-tu que je t'appelle par ton prénom? Je crois savoir qu'en Chine, on commence par écrire le patronyme, puis le prénom. On m'a parlé de Liu Xia, épouse du prix Nobel de la paix Liu Xiaobo. Chia doit donc être ton prénom. Nous ne nous connaissons pas, et nous ne nous rencontrerons probablement jamais, à moins de forcer le destin. Pourquoi je commence à t'écrire alors? Ton nom a été prononcé devant moi, Liu Xia. Je ne connais rien à la politique, ni aux dissidences, qu'elles soient chinoises ou autres. Je ne suis pas militante d'Amnesty International. Je ne te connais pas, ni comme artiste, ni comme femme, de qui que ce soit, ni comme être humain. Je ne te connaissais pas avant que ton nom soit prononcé il y a 2 jours à mon oreille, Liu Xia. Juste un nom, femme de, en résidence très surveillée. On m'a dit, il faudrait écrire sur elle. J'ai pensé un tout petit peu à ce que cela pouvait représenter d'être ainsi coupée du monde. J'ai pensé aux femmes qu'on emmurait vivantes au Moyen-Âge, celles qu'on accusait de sorcellerie ou d'adultère. J'ai pensé à ce que c'était d'être privée de sa voix, de son amour, de ses amitiés, de sa vie. J'ai repensé au papier collant sur ma bouche à l'école. Je me suis demandé comment tu pouvais survivre. J'ai pensé que j'avais envie de briser le silence, même si mes moyens sont dérisoires, même si je ne te connais pas, même si nous ne devons jamais nous rencontrer. Alors, je décide de partir à ta recherche. Qui es-tu? Liu Xia, privée de liberté et coupée du monde depuis près de 7 ans, au simple motif que je suis la femme de Liu Xiaobo. Xiaobo et moi, nous sommes tombés amoureux après le massacre de la place Tiananmen en 1989. Les âmes des étudiants tués ont été pour nous comme des oiseaux qui s'envolent. Xiaobo, emprisonné juste après ces événements, a été empêché de diffuser ses écrits politiques et a continué à m'écrire des poèmes d'amour. Nous nous sommes mariés pour que je puisse le visiter en prison. Aujourd'hui, il n'y a aucune accusation à mon encontre. Je n'ai fait l'objet d'aucun procès. On ne me reproche aucune activité illicite. Je ne participais pas activement aux engagements politiques de mon mari. Et si je suis éprise de liberté, je ne suis pas une militante. Je me suis contentée de solliciter l'autorisation
d'aller représenter mon mari en Norvège lors de la cérémonie de remise du prix Nobel de la paix qui lui a été accordé le 8 octobre 2010 et qu'il a dédié aux âmes errantes des morts de la place Tiananmen. Réponse des autorités chinoises, une assignation à résidence dans mon appartement à Pékin. Que vois-tu par ta fenêtre? Vois-tu passer des gens, voler des oiseaux, courir des nuages? Devant la mienne, dans mon village de Belgique, pas beaucoup de gens, ils y passent en voiture. Des nuages, des arbres, des oiseaux. Il y en a beaucoup des oiseaux à cause de la rivière, des oies sauvages et des hérons. Qu'est-ce que cela te ferait si tu savais que quelqu'un ici pense à toi et t'écrit en ce moment, à l'autre bout du monde? À ma connaissance, le livre de Catherine est le premier livre jamais écrit au sujet de Lucia sur cette terre. Oui, Lucia est bien une femme interdite. C'est aussi une poétesse interdite. En Chine, ses poèmes et sa personne ont été interdits. Dans les organismes gouvernementaux, les associations d'écrivains, les universités, les centres de recherche, les histoires de la littérature, dans tous les recueils, les noms de Lucia et de son mari ont été interdits. À partir de 2010, durant les trois premières années de mon assignation à résidence, j'ai réellement été coupée de tout. Pas de téléphone, pas d'internet, pas de visite. Mon appartement est agréable et spacieux, mais pendant plusieurs mois, j'étais confinée dans ma chambre avec interdiction de m'approcher de la fenêtre le jour, de peur que je ne sois reconnue et que je ne communique avec l'extérieur. À quoi occupes-tu tes journées si tu es enfermée dans ta chambre? Si ta voix ne peut en sortir, les bruits du monde peuvent-ils y entrer? As-tu seulement assez de papier pour écrire? Attends-tu, comme moi, à regarder s'écouler les secondes, les minutes interminables mais sitôt envolées, sitôt à jamais disparues? À penser à celui que tu aimes, en prison lui aussi? Qu'est-ce qui te tient en vie? Je recopie les sutras. Nuit et jour, je copie. Lorsque les jours cèdent la place à la nuit, je recopie le sutra du diamant. Nuit et jour, je copie. Avant que l'hiver n'arrive, avant que toutes les feuilles ne soient tombées, je veux finir de dessiner chaque caractère, écrire avec un cœur attentif, écrire pour ces amis qui m'ont réconforté. Nuit et jour, je copie. Nuit et jour, je copie le sutra du diamant. Nuit et jour, je copie. Ma calligraphie devient plus régulière, chaque caractère un peu plus carré. Cela prouve que je ne suis pas encore complètement folle. Nuit et jour, je copie. Mais sur l'arbre que j'ai dessiné, pas une feuille n'a poussé. Thank you.
C'est moi toute seule. Est-ce un arbre en hiver? Il est comme ça toute l'année. Où sont les feuilles? Les feuilles se sont envolées au loin. Pourquoi dessiner un arbre? J'aime sa façon de rester dressée. Vous n'êtes pas épuisée d'être un arbre toute votre vie? Même si je m'épuise, je veux rester debout. Y a-t-il quelqu'un près de vous? Y a les oiseaux. Je n'en vois aucun. Écoute le son du battement de leurs ailes. Pourquoi ne dessinez-vous pas des oiseaux sur votre arbre? Je suis trop vieille pour voir encore, je suis aveugle. Peut-être que vous ne savez pas dessiner un oiseau. C'est vrai. Je sais pas. Vous êtes un vieil arbre obstiné. C'est ça. Je suis l'âme qui habite le corps d'un homme appelé Nijinsky. Si je mange à peine, je suis mince malgré moi. Il n'y a que les choses de l'esprit qui me nourrissent. Je détesterais avoir le ventre gonflé comme un tambour. Cela m'empêcherait de danser. J'ai peur de la foule. J'ai peur de danser devant les gens. Ils veulent que je danse pour les divertir, mais leur divertissement, c'est la mort. Ils sont incapables d'émotion et ils voudraient que ma vie ressemble à la leur. Je veux rester chez moi, fuir la foule, m'enfermer dans ma chambre, à regarder les murs et le plafond pour savoir ce que c'est que de vivre en prison. Je suis un philosophe sans pensée. Je suis le théâtre de la vie. Je n'ai aucune imagination. Je suis un esprit incarné qui aime bavarder en poésie. Je suis le rythme et la rime. Les somnifères ne me font pas dormir et l'alcool non plus. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée, de plus en plus fatiguée. J'ai envie de baisser les bras, mais mon esprit s'y refuse. Je dois avancer, atteindre une hauteur d'où l'on domine, sentir que je suis capable de prendre de la hauteur. Je dois avancer. Aujourd'hui, j'ai pleuré. Lettre du 4 juin 2017. Liuxia, il paraît que tu peux aller voir Xiaobo en prison une fois par mois, une demi-heure à peine, et lui apporter des livres. J'en suis honteuse, mais je t'envie cet amour. Un amour qui te fait rester en Chine pour ne pas le laisser seul. Liuxia, je purge ma peine dans une prison réelle. Tu attends dans la prison invisible du cœur. Ton amour est un rayon de soleil qui saute par-dessus les hauts murs et s'infiltre à travers les barreaux pour caresser chaque centimètre de ma peau, réchauffer chacune de mes cellules. Il me permet de conserver une paix intérieure infinie et emplit de sens chaque seconde que je passe en prison. Pour Xiaobo, malgré ton isolement, tu es une fenêtre ouverte sur le monde. Mais j'imagine que tu dois vivre des moments de désespoir immenses. Des moments où tu te sens vivante, où tu sens ton cœur battre, ton sang circuler dans tes veines, mais en pure perte, car tu ne peux plus faire le lien avec le monde, car la douleur noie tout. Respiration coupée, on ne peut plus que se laisser flotter, bouchon aveugle et impuissant. Attendre que la vague se retire, ne rien faire d'irrémédiable, respirer à toutes petites goulées en surface, se raccrocher à de minuscules, très minuscules gestes anodins, boire une gorgée d'eau, ranger une vaisselle, éplucher une pomme, plier du linge. Combien de larmes as-tu versées, Liuxia? Rencontres-tu parfois des oasis sur ta route? Le regard de Xiaobo quand tu vas le visiter? Mais quel est ce lien si fort qui nous unit? Lettre de Liuxia à Xiaobo. Xiaobo, ton destin t'a défini comme un courant d'air, tourne vol. Un courant d'air qui s'amuse dans les nuées. J'avais rêvé d'être ta compagne. Mais quel genre de maison serait capable de te retenir? Alors que les murs risquent de t'étouffer, tu ne sais que passer comme le vent, un vent qui ne m'a jamais expliqué quand il venait ni quand il partait.
Quand ce vent arrive, je ne peux plus garder les yeux ouverts. Et quand ce vent part, le sol est couvert de poussière. Et Chiaobo lui répond : je suis entré en toi, réduit à tâtonner dans l'obscurité, à dire avec l'alcool que tu as bu les vers d'un poème à ta recherche. La prière se fait à voix sourde pour que la danse d'amour avec ton corps ensemble nous enivre. Qu'importe l'alcool, la nicotine, les poisons de ta solitude ne me font pas peur. J'ai tant besoin de ces poisons, tant besoin. Michel, tu as un couteau, un petit couteau qui ne blesse jamais personne. Planté au cœur du monde, sans trace de sang ni coupure, mais seulement il est éblouissant. Il révèle les vrais visages. Combien je t'envie, toi, Chiaobo, qui n'a pas la tête aussi claire que Dieu lui-même. Allez, passe-moi un verre de vin, allons jouer la comédie ensemble. Laisse-moi te dire, au-delà des ténèbres, avant de descendre en tombe, n'oublie pas de m'écrire avec mes cendres. N'oublie pas de garder mon adresse aux enfers. Je sais que tôt ou tard viendra le jour où tu me quitteras pour prendre seul la route de l'obscurité. Toujours tu vivras dans cette mort. Tu aimes ta femme, mais tu seras encore plus fier de ces temps partagés avec elle dans l'obscurité. Yoshia, tes poèmes, je pourrais les recopier en entier si je devais en extraire ce qui me touche. Et je le ferai à la main, au crayon. Les écrire de ma main pour que les mots s'impriment, qu'ils se confondent avec l'émotion ressentie par l'âme et le corps. J'ai gardé l'habitude de recopier dans des cahiers, au crayon, certains passages des livres que je lis. J'ai l'impression qu'ils m'imprègnent. Chanson de Lucia à Lucia Obo. Allez, cause toujours, cause. Te voici enfermé dans une cellule, mais ta voix se répand loin au-delà des murs. Voici revenu le temps de ce massacre comme il y a 20 ans. Ce temps est revenu, puis il est reparti comme en boucle. Te voici dans un grand dénuement, mais les âmes des disparus de la place Tiananmen sont à tes côtés. Tu n'appartiens plus à notre vie quotidienne et tu t'es noyé dans les cris d'angoisse des fantômes. De réponse, il n'y en a point. Je t'en prie, parle, parle, parle pour de bon. Tu causes de jour, tu causes de nuit. C'est simple, tu te réveilles et tu causes. Allez, cause toujours. Tu parles de bon, parle, parle pour de bon. Tu causes de jour, tu causes de nuit. C'est simple, tu te réveilles et tu causes. Allez. Te voici enfermé dans une cellule, mais ta voix se répand loin au-delà des murs. Le sang s'écoule encore de cette blessure vieille de 20 ans, un sang rouge, rouge, rouge et frais comme la vie. Tu aimais tant de choses, mais ce que tu préfères, c'est la compagnie des âmes en peine de la place Tiananmen. Tu leur avais promis de rechercher la vérité en leur compagnie. Sur cette route, pas un ray de lumière, pas un. Allez, je t'en prie, parle, 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 parle pour de bon. Parle, parle, parle pour de bon. Tu causes du jour, tu causes de nuit. C'est ça, tu te réveilles, tu causes. Allez, 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 cause toujours. Allez, te voici enfermé dans une cellule. Mais ta voix se répond loin, loin, au-delà des murs. Le crépitement des mitraillettes il y a 20 ans a décidé du cours de ton destin. Toujours tu vivras dans cette mort. Tu aimes ta femme, mais tu seras encore plus fier de ces temps partagés avec elle dans l'obscurité. Tu l'as poussée à tenir bon de son plein gré, à continuer à t'écrire des poèmes au-delà de sa propre mort. Et les lignes de ses vers n'émettent pas un son. Pas un. 15 juin 2018. Yushia, j'ai lu que ton mari était né en 1955, juste avant le grand bond en avant et la terrible famine qui a suivi. Et toi juste après, en 1961.
Il avait donc 11 ans, et toi tu en avais 5, quand Mao a lancé la révolution culturelle, qui se donnait comme but d'éradiquer les vieilles coutumes, les mœurs anciennes et les pensées réactionnaires. Un temps d'effroi et de barbarie à l'état pur qui ne prit fin qu'à la mort de Mao Tse-tung en 1976. Il paraît que c'est l'époque où les Chinois ont commencé à donner d'étranges prénoms aux enfants. Non plus Jolie Jade, Lumière du Sud ou Petit Dragon, mais Gloire du Pays, ensemble avec Mao, en route vers la productivité. Mais un enfant peut-il avoir le même développement psychique s'il s'appelle Tracteur Rouge ou Brume Légère du Matin? Comment a-t-on pu ainsi restreindre à ce point la capacité de rêver, d'imaginer, de penser? Vivre tout court ou vivre dans la dignité? À propos des conditions de vie des Chinois, par Liu Xiaobo. Sous la dictature d'un parti unique, l'existence et le fonctionnement de la politique ne peuvent tourner qu'autour de l'exercice du pouvoir, car il n'y a pas d'autre finalité que celle-là. L'existence de l'État et la nation n'est qu'un prétexte légal pour exercer le pouvoir, car il n'y a pas d'autre valeur proposée. Les êtres qui vivent sous la dictature ne vivent que pour survivre et ne revendiquent aucune autre valeur. Alors qu'on vive dans l'hébétude de l'hystérie communiste comme autrefois, ou parce que l'on a été acheté par la promesse d'une vie modestement prospère comme aujourd'hui, cela ne fait pas grande différence car au bout du compte, chacun survit dans un désert humain. Les Chinois, en tant que membres de l'humanité, vivent sans la moindre dignité. Ils sont devenus les outils d'un mécanisme de terreur et ils ont perdu toute valeur personnelle. Mao Tse-tung avait conduit ses compatriotes à devenir à tout jamais les petits boulons de la cause révolutionnaire. Qu'ils se perdent dans la révolution comme du temps de Mao ou qu'ils rejettent la révolution comme au temps de Deng, les Chinois n'ont qu'un seul choix, devenir les petits boulons de la machine dictatoriale. Vivre ainsi, c'est vivre d'opportunisme et s'enfoncer dans une vie de noirceur sans scrupule. Vivre ainsi, c'est vivre avec le cœur et la bouche en désaccord, en s'adaptant aux stratégies cyniques d'un esprit schizophrène. Vivre ainsi, c'est vivre dans la froideur et l'indifférence, après s'être accoutumé à jeter sur le monde le regard d'un égoïste. Vivre ainsi, c'est vivre à genoux, sans plus se redresser, en se contentant des miettes dont on aura été gratifié. Vivre ainsi, c'est vivre dans la médiocrité, en cultivant un sarcasme de café-théâtre. Vivre ainsi, c'est vivre en ne pouvant verser que des larmes d'humiliation. Vivre ainsi, c'est se contenter de vivre l'échine courbée, sans pouvoir relever la tête. On ne croit pas qu'il puisse encore y avoir une conscience, une justice ou d'autres forces. Vivre ainsi, c'est vivre en pensant qu'il ne pourrait plus en être autrement. Vivre ainsi, c'est renier tout sentiment de honte devant la responsabilité de ses crimes. De fait, un homme, une nation qui saurait se dispenser de la honte, connaîtrait une vie joyeuse. Ceci a été écrit par Liu Xiaobo dans le camp de rééducation par le travail de Dalian en août 1998. Et en 2010, à nouveau en prison, il écrit: la Chine sera un jour une démocratie. Elle sera libre un jour. Tout le monde pourra y vivre sans peur. Moi, Liu Xiaobo, je paye pour cela, mais ça vaut le coup. Dans une dictature, la prison est la première porte vers la liberté. Mon pied a déjà franchi la limite. La liberté ne doit pas être loin. De cette société. Quant à moi, Luigia,
quoi que ce soit à cette société. Moi et l'entièreté de cette société, nous sommes incompatibles. Même toi, tu ne peux pas comprendre mon indifférence. Même toi, tu ne peux pas m'accepter. Yuxia, tu n'es pas une dissidente chinoise, tu es une dissidente universelle. Tes images convoquent ce que nous avons de plus profond en nous, notre désir de vie, de liberté. Poupée vierge, innocente, manipulée, écrasée, mise dans toutes les positions, incapable de rien d'autre que de crier leur rage de vivre, sans qu'un son ne nous parvienne. Le papier collant sur la bouche. Poupée qui pleure sur des rochers, sur fond de mer. Le bruit des vagues et l'immensité couvrent leurs cris. Mais que pèse un cri, une souffrance, une vie humaine dans l'univers? Tu as fait, dis-tu, ces photos pour passer le temps, pour t'occuper quand Shiobo était incarcéré. La laideur délibérée de tes vilains bébés est un révélateur qui permet d'entendre toutes les voix qui hurlent au fond de tes tripes et qui sont parfois le bruit de l'effondrement. Les secours n'arrivent pas, rien ne bouge. Tout le monde continue à faire comme si de rien n'était. Tu cries depuis un aquarium de verre, coupé du monde. La Chine est un pays trop grand pour être conduit par un seul homme. Il faudrait le scinder en une vingtaine d'États pour sortir d'un régime autocratique et laisser plus de place à des pensées diverses. Mais dans la Chine actuelle, le pouvoir unique est un enjeu tellement immense qu'on ne peut y laisser aucune place aux voix dissidentes. Grâce à une série de pratiques diablement efficaces, mise en isolement social, humiliation publique, suppression de la sphère intime, simplification extrême du discours, imposition d'un nouveau vocabulaire, déni du réel, désagrégation des familles, endoctrinement, et la liste est encore longue. Le pouvoir chinois a réussi à modeler les esprits de plusieurs générations d'humains, tout comme par le passé, il a modelé et rétréci les pieds des femmes pour les empêcher d'avancer, de fuir, de prendre leur liberté. Yuxia, si j'étais les autorités chinoises, je ne te laisserais plus approcher d'un appareil photo. Et je te couperais la plume et la voix. Je te banderais les yeux, je te gaverais de grands crus, puis de piquettes, jusqu'à ce que tes mains en tremblent et qu'elles ne puissent plus tenir un pinceau ni un crayon. J'essayerais de pénétrer dans ton cerveau pour en arrêter les rouages ou les fossés, pour effacer tes pensées. Pour effacer ta pensée, il me semble que tu es l'exact antidote à ce régime totalitaire et mortifère. Toi, si intensément vivante, reste le chien. Même si tu sombres, même si tu bois, même si tu désespères, même si tu disparais, même si tu ne sais plus qui tu es, reste vivante. J'aspire à la lumière. Dans ce que j'ai pu lire, j'ai vu bien souvent la lumière de la mort. Je m'y sentais au chaud. Et j'étais triste quand il me fallait la quitter. J'aspire à la lumière. La force que j'avais gardée toutes ces années a fini par tomber en poussière. J'aspire à la lumière. Un arbre. Un seul éclair peut le foudroyer. Je n'aspire plus à rien. J'aspire à la lumière. L'avenir pour moi, c'est une fenêtre fermée sur une nuit sans fin. J'aspire. Une nuit où les cauchemars jamais ne se dissipent. J'aspire.
voilà Camille assise en face de moi. Tu gobes des œufs crus. Tu ne supporterais pas d'être obèse. Le feu qui brûle dans le fourneau ne rougit pas ton visage. Tu dis, je n'ai pas les moyens d'acheter des vêtements neufs. Mes souliers sont usés jusqu'à la corde. Et tu répètes ça à l'envi. Camille, quand j'ai appris ton histoire et celle de cet homme, j'ai su que je serais devenue pareillement folle. L'homme que tu adorais avait peur de toi, mais il est mort maintenant. Ta voix est sereine. Dans tes yeux, je ne vois rien de ce que racontent les livres. Mélancolie, colère, chagrin, haine, désespoir, rien. Je serai donc bien en peine de te consoler. On dit que tu n'es qu'une note en bas de page de cet homme. Pourquoi une note en bas de page? Les notes en bas de page, c'est trop pesant, trop long, trop fatigant. Je ne sais pas les lire. C'est comme ça, Camille. Ton époque et mon ciel se mélangent. Nous poursuivons ensemble le cours de nos vies. Ensemble, nous allons par les rues animées, acheter des vêtements neufs et des jolis souliers. Il faut que retentisse encore l'écho sonore de nos pas sur la chaussée. Puis autour du fourneau, nous boirons un verre d'alcool de riz et nous resterons longuement assises, incapables de nous lever, à contempler du fond de notre ivresse le monde, 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 le monde tourné autour de nous. Liuxia, je viens de recevoir un mail de Marie Holzmann. C'est la femme qui a traduit certains de tes poèmes vers le français. Elle m'annonce que Xiaobo est en phase terminale d'un cancer du foie. J'arrive à peine à t'écrire. Tout ce que je pourrais te dire me semble si dérisoire. J'espère tellement fort que chaque minute, chaque seconde dont tu disposes, tu puisses les passer désormais avec ton époux. Dans un article de journal, il est écrit que tu as pu le rejoindre dans l'hôpital où il est à présent soigné, pour autant qu'il puisse l'être. Mais je ne me fais pas trop d'illusions sur le peu de liberté qui doit vous être accordée. Le régime est implacable et l'enjeu est trop grand. Vous êtes des bombes. Tu apparais aussi dans une très courte vidéo, je t'ai vue. Tu dis qu'il n'y a plus rien à faire pour le sauver. Pas en Chine, en tout cas. Depuis cette annonce, vous sortez un peu de l'ombre dans laquelle vous étiez noyé depuis des années. On entend parler de vous à la radio ou à la télévision. Il y a quelques interventions officielles, des demandes polies faites aux autorités chinoises de vous laisser quitter le pays pour que Liu Xiaobo puisse être soigné à l'étranger. Mais les réponses venues de Pékin pourraient se résumer en une phrase: mêlez-vous de vos oignons. Quand la Chine gronde et montre des dents, le reste du monde s'aplatit. Et vous, vous n'êtes jamais qu'un homme et une femme parmi 1 milliard 400 millions de Chinois et Chinoises. Tu es avec lui maintenant. Que peux-tu espérer de plus? Tu ressembles à l'arbre seul de ton poème, dressé, sans feuilles. Mais verras-tu le retour de l'oiseau? Je suis fatiguée. Je suis fatiguée de mes comprimés blancs. Je suis fatiguée de te sourire. Je suis fatiguée des toilettes et des trains. Je suis fatiguée de ta notoriété. Je suis fatiguée de mon cœur fatigué. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée de voir des routes où l'on m'interdit de marcher. Je suis fatiguée de ces ciels souillés. Je suis fatiguée de mes larmes. Je suis fatiguée de cette vie qu'on dit sans tache. Je suis fatiguée des faux semblants du langage. Je suis fatiguée de voir mourir mes plantes. Je suis fatiguée de mes nuits d'insomnie. Je suis fatiguée de ma boîte aux lettres toujours vide. Je suis fatiguée de tous les anathèmes. Je suis fatiguée, ma langue perdue, mois après mois, année après année. Je suis fatiguée des mots rouges que je vois sur mon corps.
Je suis fatiguée de ma cage. Mon amour, je suis fatiguée. Le 13 juillet 2017. Liuxia, je n'oublierai pas ce jour. Je viens d'apprendre la mort de Xiaobo. Ce soir, j'ouvre une bouteille de vin, un Beaujolais de 2008 retrouvé dans ma cave, pour faire passer le choc. Je le bois en pensant à toi, en mémoire de Xiaobo. C'est dérisoire en ce jour, mais je m'étourdis en pensant que tu aimes le bon vin. La première chose que Xiaobo t'a dite quand tu as été autorisée à venir le rejoindre à l'hôpital il y a quelques jours, c'est... Pardon de t'avoir fait vivre tout cela. Et la dernière, rapportée par l'équipe médicale chinoise qui le soignait... Vis bien. Vis bien. Cela ne va pas être facile. La grande question est maintenant de savoir s'ils vont te laisser tranquille, toi. Te laissera-t-on sortir de Chine ? En as-tu envie ? Que vas-tu faire du reste de ta vie de femme ? Une vie qui peut encore durer 40 ans ? Toi, la femme qui a photographié les vilains bébés, tu ne peux pas disparaître. Liu Xiaobo ne sera resté en tout que 13 ans et demi en prison. Il y a reçu le prix Nobel de la paix. Il y est mort. Dans la plus grande discrétion, dans la plus stricte intimité, comme on l'écrit sur certains faire-part de décès. Xiaobo. Liuxia réapparaît quelques semaines après en nous sur une vidéo qu'on peut trouver sur YouTube. On la voit assise sur un canapé blanc près d'une baie vitrée. Une cigarette allumée entre les doigts comme une baguette d'encens qu'elle tient comme un souvenir en hommage pour signifier que son âme n'est plus tout à fait ici mais qu'elle s'est envolée avec celle de Xiaobo comme une fumée. Certes, d'une voix basse, calme, calme. Une chose est certaine, Liuxia. Tu n'es plus l'oiseau de ta jeunesse. Peut-être même plus l'arbre seul, dressé, qui attendait Xiaobo. Es-tu devenue une racine qui attend sous terre le retour du soleil, l'aube d'une autre vie? Écrire. Je peux seulement écrire pour relier le monde à toi et te relier au monde. Pour que ton œuvre ne soit pas perdue. Je reçois tellement de cette rencontre. Il y a un endroit de nous où nous nous retrouvons toutes les deux. Et c'est là que tu m'emmènes quand je pars à ta recherche. C'est un lieu de grand silence, nu, vide, traversé d'un torrent de vie qu'on ne peut retenir et qui emporte tout. Un espace où l'on ne risque plus rien parce qu'on a déjà tout perdu. À l'extérieur, nous pouvons être de charmantes smiling ladies pouring tea ou des pochardes imbibées de désespoir ou d'éminents professeurs d'université ou des écorchures mal recouvertes de sparadrap, peu importe. Il y a des étincelles qui font qu'on se reconnaît. Je me recroqueville sur moi-même. En entendant frapper à la porte, ma nuque se raidit. Mais je n'ai pas le droit de partir. À force de soliloque, je vais devenir folle. Je me sens si seule. On m'empêche de parler, de m'exprimer à voix haute. J'ai l'impression de vivre comme vivent les plantes. D'être là, gisant, comme un cadavre. Je déteste ma vie. J'ai ma vie en horreur. Je voudrais déchirer cette vie grotesque. Et moi avec. J'ai un désir ardent. M'échapper.
11 août 2018. Cher Liu Xia, voici un mois que tu es sorti de Chine. Quel incroyable dénouement! Tout le monde l'attendait, l'espérait, l'appelait de ses voeux, mais personne n'osait y croire. Il y en a des gens qui ont travaillé à cela. Ton ami écrivain, Liao Yiwu, Herta Müller, la prix Nobel de littérature, Marie Holzmann, la sinologue, Philippe Giffron, de nombreuses personnes, de Paris à New York, en passant par Bruxelles ou Taïwan. Ces gens qui se battent sans relâche pour que vous ne soyez pas oubliés, perdus dans le silence dont le régime aimerait recouvrir toute voix dérangeante. Si un jour tu as l'occasion de lire mon livre, tu apprendras que je vis à la campagne, au milieu des betteraves, en face de grands tilleuls que je regarde souvent par la fenêtre. Il y avait aussi une belle piscine qui ourlait le porche à l'entrée de la cour. Ma maison est une ancienne ferme. Malheureusement, la glycine est morte cet hiver et j'ai dû la faire couper. Je me demandais comment j'allais pouvoir retirer la souche afin de replanter autre chose à cette place, mais ma voisine me les a montrés hier. Trois jeunes surgeons ont jailli de terre en pleine sécheresse, alors que tout meurt alentour. La glycine a décidé de revenir du royaume des glycines mortes et de repartir à l'assaut du porche. La vie est incroyablement tenace, et même quand le vieil arbre obstiné semble mort, la vie arrive encore à jaillir de ses racines. Je vis dans le corps de mes poupées, qui n'en finissent pas de se suicider dans mes rêves. Mais au réveil, je vois bien que je ne suis pas réincarnée, que c'est un simple réveil. Parfois, devant les gens, j'arbore sur mon visage un air d'indifférence au monde. Ce genre d'attitude insensée ferait croire que j'ai atteint l'illumination de l'éveil. Mais personne ne sait que la nuit, je me consume, assise sous la lampe solitaire. Personne ne sait combien le remords me hante, ni combien mon cœur déborde de reconnaissance. Le souffle du vent fait remuer les rideaux. Mais qui pourrait